Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Maïté, bonsoir Déborah. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais regarder si on est à l'heure. Oui, absolument. Alors, excusez-moi pour la lumière, j'ai eu un petit problème de réglage ce soir. Je vous souhaite bien entendu une bonne soirée et merci d'être là. Merci de votre présence à mes conférences. Je suis bien entendu comme vous confinée dans mes espaces personnels et professionnels puisque j'ai la chance de travailler là où je vis, donc c'est déjà un avantage. Et bien entendu que nous vivons une période un petit peu différente de celle que nous avons l'habitude de vivre, avec des challenges et avec des découvertes. Et j'avais envie aujourd'hui, dans Mission Possible, de lâcher un petit peu le discours et plutôt d'aller vers de l'échange avec vous. Alors bien entendu, je n'ai pas à ce jour reçu de questions et de potentielles interrogations. Je vois que l'image s'est figée, donc je suis un peu étonnée puisque je n'ai pas de problème de réseau et je n'en ai pas eu de toute la journée. Bonsoir. Bon, eh bien apparemment je vous ai perdu. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde me voit? Oui, on te voit et on t'entend. Bon, parfait, je vous remercie. Très bien. Alors il y a eu un petit souci. C'est vrai que depuis les nouvelles directives, il y a bien entendu des saturations, des réseaux et des outils de communication. Donc, ce soir, vous serez peut-être amené à me voir disparaître et réapparaître. J'en suis désolée, j'ai pu fonctionner totalement normalement toute la journée. Donc, voilà, on est prêt à affronter cela pour ce soir. Alors, tout d'abord, je récidive, je remercie tout le monde d'être présent ce soir. Je vous, bien entendu, je vous propose d'aller vers ce qui aujourd'hui est de notre préoccupation. Nous sommes sur un espace, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque j'ai posté l'affiche et l'événement sur ma page Facebook, ce que je fais rarement, juste pour donner l'opportunité à certaines personnes qui peuvent être en interrogation, qui peuvent se poser des questions, qui peuvent être en difficulté en ce moment, d'assister à cette conférence. Alors, ceux qui assistent à cette conférence sont en fait très souvent présents puisqu'ils font partie sur WhatsApp du groupe des conférences offertes et gratuites par mes soins. Et le but aujourd'hui, c'est d'échanger entre nous et d'accéder à des questionnements pour pouvoir répondre du mieux possible à ce qui pourrait apparaître comme un problème ou tout simplement une interrogation, etc. Mais avant cela, je vais vous laisser mijoter, je vais vous laisser réfléchir puisque j'avoue m'y être prise un petit peu tardivement pour vous annoncer cet échange questions-réponses. Et donc, je vais faire une petite introduction sur ce que cette période peut avoir de sens. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas médecin. Par contre, je suis un coach expert en alignement neuro-émotionnel. Et cela me permet de me positionner par rapport à ce que je perçois de ce qui est cette saison de vie qui n'est pas innocente et anodine. Et j'avais envie de vous parler un petit peu avant cela de tout ce qui pourrait se rapporter à ce qu'on vit, mais de focaliser dès le départ sur une chose essentielle.
que ce soit une nation, que ce soit un groupe, que ce soit une création conceptuelle qui est faite de paramètres et de phénomènes mis ensemble, à partir d'un certain moment, cela se comporte ou fonctionne exactement comme un corps humain. Et notre perception aujourd'hui en tant qu'être humain est celle d'une communauté qui est terrestre et terrienne et qui vit ensemble. Et nous sommes habitués à vivre par intermittence des séquences qui sont très souvent polarisées. Polarisées veut dire opposées, c'est-à-dire négatif, positif, par exemple, bien, mal, souffrant, plaisant. Et nous avons l'habitude de vivre ces séquences ensemble et de vivre à une époque dont nous avons pour bénéfice un énorme confort et une énorme facilité de communication. Et cette communauté terrienne a en fait une définition qui est très proche de celle du corps humain. Elle a effectivement une structure qui lui permet de fonctionner avec, bien entendu, des modus operandi pour aller d'un point A à un point B, d'un raisonnement A à un raisonnement B. Et elle est faite de consensus qui crée une fibre tonique et musculaire qui lui permet d'aller créer du mouvement, de l'action et du comportement. Et cette communauté humaine a aussi quelque chose de précieux qui est un mental. Et ce mental est fait de, bien entendu, pensée et aussi de génie. Le génie de cette communauté va se manifester par son niveau de créativité et son niveau de capacité à finalement trouver des solutions et d'un autre côté à développer des stratégies par un mental et des pensées puissantes. Voilà posé notre état de groupe de humains, d'homo sapiens sur cette planète. Aujourd'hui, comme cela arrive avec des cycles, hein, tous les 150 ans, il y a des pandémies, il y a également des rythmes hein, pour la planète elle-même, tous les 5000 ans. Et puis, il y a, pour nous raconter cela, une histoire incomplète et une histoire totalement subjective et qui fait que pendant des décennies, nous n'avons pas reçu des informations qui soient absolument puristes et déterminantes pour figer une vérité. Il n'y a pas réellement de vérité nous concernant puisque nous ne savons pas vraiment quelles sont nos véritables origines à part notre descendance par arborescence et par évolution arborescente selon les théories de l'évolution du buisson, mais pas uniquement parce qu'elle est même remise en cause. En tout cas, nous sommes homo sapiens et nous sommes sur cette planète. Et pour ceux qui connaissent Yuval Hariri, qui est un, bien entendu un historien connu, il nous dépeint comme étant la population humaine vivante dans ce concept d'être humain avec un mental puissant, avec un crâne important en rapport avec sa posture de corps. Cette population est la population la plus meurtrière sur cette planète et la population la plus la moins compassionnée, je dirais, dans l'empathie pour ces autres habitants de la planète qui sont les autres animaux, les autres êtres vivants, les autres tout type de vie sur cette planète. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bien parce que cet humain a une énorme difficulté dans son évolution à trouver l'idéal du maintien de l'équilibre. Le maintien de l'équilibre est quelque chose de complexe
puisqu'il nous oblige, pour pouvoir être à la fois combatif et ramener de la viande dans une grotte, être également ingénieux pour pouvoir se vêtir et se protéger. Et il va falloir aussi, bien entendu, pendant des milliers d'années, développer une capacité à être à la fois mobile et statique, et une capacité à être bien entendu capable de générer, de créer une génération, mais en même temps d'être, pour être mobile, d'être capable d'être peu nombreux. Et finalement, cet homo sapiens, cet humain a évolué jusqu'à finalement opter pour une sédentarité. Cette sédentarité a généré énormément de dégâts autour de son installation et de son ancrage, et il a finalement dû changer l'usage de la terre, mais aussi des forêts, et bien entendu, il a impacté la qualité des échanges avec cette nature. Et au gré de son évolution, cela a pris une proportion importante, puisque nous avons une planète qui est habitée dans son entièreté pratiquement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que le maintien de cet équilibre a quitté notre préoccupation quotidienne. C'est-à-dire que nous pensons à nos équilibres personnels. Les États pensent à leur équilibre essentiellement depuis l'apparition du capitalisme, et sans en penser ni du bien ni du mal, mais son apparition, à un moment donné, de la prise du pouvoir et du patriarcat qui a finalement permis cette émergence d'un mode de fonctionnement entre les humains pour échanger et se sentir de plus en plus bénéfique pour l'ensemble. Finalement, le capitalisme a amené à une croyance que pour être heureux, il fallait créer de la croissance et de la production pour que cette croissance soit constante, et que à tout prix et prêt à tout, nous devions maintenir cette utopie, qui est une utopie bien intéressante puisqu'elle réunit les humains autour de quelque chose qui n'existe pas, qui est purement un concept. Et aujourd'hui, ce qui moi me touche le plus dans ce que nous vivons, c'est que finalement, on est, et c'est tout à fait légitime, face à une situation d'urgence et qui peut légitimer la peur. Parce que effectivement, quand vous voyez des gens mourir, cela fait peur. Quand vous voyez qu'un bobo ou une grippe devient quelque chose de absolument viral et complètement répandu, c'est évident que nous ne pouvons pas rester insensibles à cela. Tout cela, on est tout à fait d'accord, et bien entendu que la chose, moi, qui m'étonne, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est que finalement, on ne se pose pas, même si nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence et que le propos ne soit pas d'épiloguer, hein. J'en suis aussi consciente. Mais il serait intéressant de commencer à sentir que l'on se demande pourquoi. Pourquoi un virus ? Pourquoi aujourd'hui ? Et pourquoi ne pas se poser de questions autour de cette émergence-là, sous cette forme-là ? Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les télévisions, et que pour l'instant, on est focalisé sur, comme je le disais à l'instant, sur les urgences. Moi, ce qui m'intéresse en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnatrice, c'est de permettre aux gens de défocaliser sur ce que nous recevons comme conséquence de quelque chose qui déjà ne nous appartient plus, c'est-à-dire le passé. Il ne nous appartient que si on en fait quelque chose dans le futur de constructif, c'est-à-dire que si on regarde le passé et que l'on se dit « Ah ah, cette forme de passé vécue par une ou vingt ou cent ou mille nations, finalement, donne ce résultat. Pourquoi ? Qu'avons-nous oublié
de prendre en compte et quelle réponse avons-nous oublié de donner à des paramètres qui sont ou du quantitatif ou du qualitatif dans des domaines et des phénomènes très spécifiques ayant pour nous une conséquence sur notre qualité de vie, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Et dans ceux, il y a la matière de notre Terre et ses habitants autres que humains. Comment se fait-il que ces paramètres et nos réponses à ça aient abouti à ce que nous vivons aujourd'hui ? Cette question, pour l'instant, elle n'est pas réellement posée. Par contre, nous avons la chance à notre époque d'avoir les réseaux Internet qui nous permettent d'accéder à des questionneurs, à des gens qui posent des réponses. Et ce matin, grâce à une des personnes qui assistent à cette conférence, j'ai pu poster sur ma page, je le fais rarement parce que je n'aime pas m'appuyer sur des polémiques ou bien des événements non encore perçus dans leur globalité, mais j'ai voulu poser ce poste d'un chercheur et d'un physicien, je crois, qui parle de l'émergence du virus, complètement relié en définitive à l'empoisonnement cellulaire qui fait qu'il y ait cette excrétion sous forme virale et l'expression cellulaire d'un virus pour exprimer ce dysfonctionnement au niveau de ce que reçoit le cellulaire. Et je trouvais ça très intéressant parce que, effectivement, que ces 100 dernières années, nous avons vécu une évolution importante, mais dans les 20 dernières années, nous avons absolument vécu une accélération et du rythme de vie et de la pression sur nos préoccupations de citoyens et aussi une accélération de notre capacité à intégrer et surtout à accueillir des informations. Et tout cela via un matériel, une technologie, une technicité qui nous sert. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que quand je suis arrivée à Barcelone, je venais d'une région de France qui est la Provence et je vivais dans un endroit absolument campagne, désertique, pratiquement sur quelques kilomètres autour de moi. Il n'y avait que quelques maisons. Et quand je suis arrivée à Barcelone, la première chose que mon corps a exprimée, c'est une hypersensibilité aux ondes magnétiques. Et je ne pouvais pas toucher mon téléphone sans que mes doigts me piquent. Je ne pouvais pas rester proche de mon ordinateur sans que j'aie des problèmes de contact et de sensations. Et finalement, je me suis un petit peu intéressée à ce qui nous environnait et nous avions effectivement une énorme antenne télévision très très loin sur la montagne, mais qui était directement proche de nous. Et il y a également un foisonnement de réseaux Wi-Fi, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, je vous parle de ça parce que j'ai démarré cette conférence en vous parlant d'équilibre. Notre environnement électromagnétique, et Bruce H. Pelletier le dit clairement au niveau de sa façon d'aborder l'épigénétique, c'est un des paramètres énormes de création d'environnement pour vos cellules. Et ce paramètre électromagnétique, pour ceux qui ont suivi les trois conférences sur l'épigénétique, ils doivent s'en souvenir, ce paramètre est essentiel parce qu'il va conditionner la façon qu'a la cellule de se destiner à créer, croître ou se protéger et se défendre. Donc la nature de ces ondes électromagnétiques est très importante. Vous savez, vous, quelles ondes vous engrammez tous les jours? Non, pas forcément. Vous savez combien? Non plus. Et vous savez de quelle nature elles sont en train d'interagir avec vous? Non plus. Alors, je ne suis pas en train de vous mettre une psychose de plus sur la tête, mais ce que je veux dire, c'est que si nous vivons cette étape tous ensemble et que nous nous retrouvons repliés sur nos ordinateurs et nos téléphones, comme je suis en train de le faire, il y a un moment donné où si nous avons comme croyance que nous allons pouvoir maintenir ce que nous avons déjà au même niveau et que nous allons pouvoir changer les choses sans rien changer chez nous, dans notre façon de fonctionner et dans notre façon de
consommer et générer, c'est-à-dire produire et créer, on a un sacré problème. Cet équilibre à maintenir entre ce que nous sommes, et ça, personne ne peut le faire à notre place, et ce que nous sommes ensemble, et ça, nous sommes tous capables d'en prendre une part de responsabilité, et ce que nous créons sur ce que nous habitons est une autre dimension de responsabilité. Et il y a une phrase d'un homme que je respecte et que j'écoute très souvent, qui s'appelle Sadhguru, qui est un philosophe, qui est un visionnaire, un guide aussi, un maître de yoga, et qui est bien sûr issu du pays magnifique qu'est l'Inde. Et il dit une chose, our responsibility is limitless. Notre responsabilité est sans limite. Ça veut dire à quoi ? Ça veut dire que je dois être capable de répondre ou de décider, pour la bonne raison qui m'incombe, de répondre à une situation par du oui ou du non, par de l'adhésion ou du retrait, du repli, ou par de l'engagement ou du laisser-faire, mais j'en ai la responsabilité. Ça veut dire que je dois être à un niveau de conscience très élevé pour me permettre d'avoir un choix aisé à faire, dans le sens aisé par rapport à mon ressenti, complexe par rapport à quoi veut dire mon ressenti par rapport à celui des autres, est très difficile dans le sens où il y a là des interférences qui nous échappent, qui sont de l'ordre non plus de l'humain, mais d'un consensus avec notre cosmos et notre lieu d'habitation, la Terre, qui là devient quelque chose de très difficile à envisager si dans nos chaussettes et dans nos maisons, nous ne sommes pas capables de chausser la bonne pointure de notre réponse à ce que nous sommes et ce que nous co-créons ensemble et de ce que nous constituons ensemble. Alors moi, j'ai une première question aujourd'hui à poser. C'est que, est-ce que tout le monde ici a conscience de ce que peut représenter une évolution par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui dans cette sur cette planète, bien sûr, sur cette ère, pendant cette ère, et au niveau où nous sommes, et par rapport à ce que cet événement que nous vivons représente. Il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre, et si vous avez un rhume, normalement, en dehors du coronavirus, bien entendu, vous dites, oh là là, je ne suis peut-être pas trop assez couverte l'autre soir au dîner de un tel, ok ? Ici, on ne se pose pas la question. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que nous avons tous conscience de ce qu'est évoluer ? Ce que signifie, ce qu'implique évoluer ? Et est-ce qu'ici, parmi vous, il y a des personnes à qui cela pose un souci ? Alors, je ne suis pas en train de vous pointer du doigt. Je veux dire, le but, c'est d'être ici et dire, oui, moi, évoluer, ça me terrorise parce que, en définitive, l'évolution, c'est quelque chose que je ne sais pas organiser, je ne sais pas le structurer, etc. Bon, ça peut être de tout temps. Mais je vous pose la question, et pendant que je continue, je vous laisse poser vos mots sur le petit dialogue auquel vous avez accès, qui s'appelle conversation, je crois, ou converser. Voilà. Pour ma part, il me semble important, je pense, que pendant ce temps où nous sommes chez nous, de changer notre façon de travailler. Alors, bon, moi, je suis chanceuse parce que j'ai 80% de ma clientèle qui est à l'étranger. Donc, on a l'habitude de travailler en ligne et de travailler en présentiel de façon régulière. Mais, voilà, est-ce que pour vous, effectivement, vous vous rendez compte et vous avez déjà envisagé de changer des choses dans votre façon de travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui est source de douleur, d'inquiétude, etc.? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une éco-responsabilité sur cette période qui émerge et qui apparaît? Est-ce que vous avez découvert des choses concernant ce que nous vivons qui
qui vous ont étonné et qui vous ont motivé pour faire des changements, etc. Il est évident que une prise de responsabilité ne peut pas se faire quand on est sans confiance. On ne peut pas prendre de responsabilité si l'on est bivalent. Ça veut dire que si l'on ne se sent pas égaux avec, par exemple, nos autorités, si on ne se sent pas égaux, par exemple, avec des personnes qui vont être en co-croyant, en co-création avec nous, à des niveaux de compétences différentes. Donc, on ne va pas pouvoir prendre de responsabilité si on ne se sent pas libre et sa propre autorité pour pouvoir s'autoriser de proposer des choses aux autres et au monde. Ça, c'est un point important. C'est un point important et je vois qu'il y a un oui de la part de quelqu'un. Ça veut dire que tu aurais une question. Si c'est oui, tu me fais un petit coucou. Et si c'est le cas, tu peux poser ta question soit en prenant le micro, bien sûr, avec joie, soit en écrivant ta question, tu choisis, bien entendu. Donc, on a ça qui nous incombe, qui est de se dire, ok, si je dois prendre des responsabilités, ça veut dire que je suis en état de le faire. Je peux répondre. Ça veut dire que j'ai quelque chose à livrer qui peut avoir du sens dans le sens de l'évolution et de la transformation. Et si j'ai quelque chose à livrer et à proposer, ça veut dire que j'ai, bien entendu, de moi, une certaine estime. Ça veut dire que je considère que je peux effectivement proposer quelque chose. Donc, répondre à l'environnement, aujourd'hui, la planète nous dit quoi ? J'ai mal à votre fonctionnement. Votre fonctionnement me fait mal. En tout cas, votre fonctionnement a des conséquences qui ne vont pas dans le sens du naturel. Et si c'est un naturel que d'exprimer un feedback de nature vivante, puisque là, on est sur du vivant, c'est effectivement le cas, mais quand ce vivant vient détruire, c'est qu'il y a une dissonance et que l'alignement avec notre planète n'est plus en place. Et cet alignement, c'est une cohérence qui nous permet d'aller, nous tous, avec Terre-Mère, notre planète, Gaïa, pour ceux qui la nomment ainsi, c'est à ce moment-là d'avoir le sens et la direction commune pour avoir envie d'entretenir, au lieu de la croissance, je dirais, une croissance naturelle. Et cette croissance naturelle passe par peut-être des paramétrages de la consommation animalière, de l'adoption et de l'esclavage animalier de nature différente. Il n'y a pas eu de tout temps que des maltraitances animales. Il y en a eu. Il y en a eu. Il y en a eu parce que depuis des millénaires, les éleveurs ne veulent pas que les veaux têtent trop le lait de leur mère et donc on tailladait le museau des veaux. Je n'irai pas plus loin dans des détails de ce genre, il y en a énormément, mais il y a des pays d'Afrique où pour éviter que les chameaux ne têtent leur maman ou n'aillent chercher trop de lait auprès de leur mère, également on les balafrait. Les cochons, pour éviter qu'ils ne se sauvent et qu'ils ne sentent le sol, on les balafrait également. Nous sommes une population qui est assez égoïque, et qui est prête à enfermer des animaux dans des espaces clos, en les bourrant d'antibiotiques et voire d'hormones ou d'aliments non appropriés, et de les mettre en état de stress et de nous nourrir avec ça, avec un niveau d'acidose énorme dans ces viandes et ces chairs. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies, on arrive à la fin de cette boucle. Qu'allons-nous faire ?
Allons-nous continuer à consommer ce que nous consommons aujourd'hui? Allons-nous continuer à fermer les yeux sur nos habitudes et au lieu d'en faire des habitudes compulsives, de les transformer en exceptions? Ce serait une première étape, de créer un nouveau rythme, etc. Est-ce que vous, ça vous touche, ça? Merci Edwige. Alors, pour ma part, alors je vais vous dire, hein, je suis une épicurienne, j'adore la viande, j'adore le poisson, mais je suis végétarienne et honnêtement, je suis végane. Chez moi, vous ouvrez le réfrigérateur, il n'y a que des légumes, des fruits et de bonnes choses, des aliments le moins possible transformés en agroalimentaire, le plus possible naturel. Et je commence mes journées avec un repas qui est fait de fruits exclusivement, d'oléagineux, d'huile et de pollen. Okay, grâce à une méthode de France Guillain qui est tout à fait adaptée à mes choix, bien entendu, de valeurs alimentaires et de goût et de plaisir. Donc, égoïstement, je fais un choix de plaisir, mais stratégiquement, je me dis, Brigitte, sois disciplinée. Pense à toi, mais aussi pense à l'impact que tu as sur la planète. Et je ne me donne pas d'exemple, hein, ça s'est fait graduellement et ça s'est fait d'abord et au départ par des valeurs hautes qui m'incombaient et qui m'intéressaient. Donc, c'était au départ quelque chose de très matérialiste et de très personnel et très égoïste. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me maintenait dans l'espace-temps parce que je me rendais compte que c'était serviable pour au-delà de moi. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, beaucoup de gens avaient fait ce choix-là. Je le savais, je suis quand même avisée en ce qui concerne tout ce qui est le véganisme, etc. Mais ce que je n'aimais pas et ce que je n'aime toujours pas, ce sont les chapelles. C'est-à-dire, oui, je ne mange plus de viande, je ne mange plus de poisson. Non, c'est faux. Et j'aime le faire, mais j'ai pris pour décision de le faire au travers de commerces, de restaurants, qui sont des restaurants dont les chefs ou les cuisiniers font choix de leur viande et font choix de leurs achats. Il y en a de moins en moins. Ils ont de moins en moins de temps parce que l'État a pris une responsabilité importante dans cette qualité et cette qualité qui se dégrade en augmentant la charge documentaire et administrative auprès des artistes, des artisans, des entreprises et des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs. Et cette charge du fonctionnement de notre société a transformé notre comportement dans le faire et dans le créer. Et nous nous sommes transformés en une société complexe avec des complications administratives qui retirent de notre temps le temps à donner sur notre création et ce que nous avons à transmettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des ateliers de haute couture où tout se fait dans le stress et qui est devenu un rituel, c'est-à-dire que ça ne serait plus de la haute couture s'il n'y avait pas ça. Bon. Mais aujourd'hui, de cet univers au jeune entrepreneur qui démarre son entreprise et qui lance son entreprise avec une petite chaîne de production pour une entreprise qui produit des choses qui vont être posées sur un marché commercial et qui ne sont pas des prestations, qui sont des produits, vous avez une telle charge sur le fonctionnement de l'entreprise en termes documentaires et administratifs qui fait que cette personne-là, elle va passer moins de temps à former les personnes qui travaillent avec elle, moins de temps à suivre ses fabrications. Elle va le faire parce qu'elle en a l'obligation, mais elle ne va pas le faire dans le même état. Elle ne va pas vivre son métier dans le même état. Elle ne va pas communiquer dans le même état d'être. Elle ne va pas envisager son futur dans le même état que si cette distribution des rôles était beaucoup plus équilibrée. Le rôle d'être en règle et de répondre aux demandes et aux interrogations et aux obligations d'une communauté ont écrasé le rôle et la responsabilité
d'être dans l'art et dans le métier d'art de ce que je suis censée livrer de meilleur et de qualitatif, que ce soit à une échelle A, B ou C en termes de complexité. Ceci se vérifie dans tous les métiers. Tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille me disent, à un moment donné, surtout pour des personnes qui ont des entreprises qui commencent à avoir un certain nombre d'employés et qui ont déjà des postes de délégation de certaines obligations. Tous, à un moment donné, quand il s'agit, par exemple, de chef de cuisine, quand il s'agit de chefs d'agences de communication, ils sont écrasés par la place que prend la partie de gestion administrative, c'est-à-dire la partie conceptuelle de leur métier, la partie fonctionnelle et logistique, en dehors de celle attribuée au qualitatif des choses produites. Et on se retrouve avec un déséquilibre dans cela, qui va, bien entendu, va amputer la personne d'espace-temps pour sa vie propre et qui va venir créer un déséquilibre dans son couple et dans sa famille, qui va créer un déséquilibre dans les partages avec ses enfants et sa femme, qui va venir créer un déséquilibre dans les visions et les ressentis qu'auront ces familles pour aller partager ensemble des bons moments. Il y aura des consensus et il y aura des moments où les gens vont se rater ou se croiser sans se comprendre. Et le temps que l'on met et que l'on pose sur les choses et les êtres est important. Quand on élève des poules et que l'on élève des vaches et que l'on élève des ovins et que le but de cela est d'aller finalement, comprimer le temps pour qu'une vache laitière puisse pendant 5 ans passer son temps à mettre bas, rester en laitance et être de nouveau fécondée et de nouveau en laitance et pendant 5 ans de sa vie servir uniquement à ça et lui retirer ses veaux dès qu'ils naissent, je trouve qu'on est dans une aberration de la gestion du temps. Et on est en train de se mentir, de mentir et de créer du mensonge que l'on vend en mentant aux gens. Et je pense que la communication et le marketing ont joué aussi un rôle en donnant une réponse de rêve et de fantasme à une population qui, bien entendu, étant elle-même à court de rêves et de fantasmes, ne demande qu'une chose, c'est d'accueillir cela et d'en faire son ou sa propriété en achetant que ce soit du jambon, du lait et de la santé en bouteille. Et quand on est en train de dire à quelqu'un qu'il peut conserver son lait pendant un mois, je veux bien et j'accueille avec joie parce que c'est très serviable. Mais à un moment donné, il faut que le consommateur prenne ses responsabilités et aille voir ce qu'il en est de ce miracle et de ce qu'il veut dire pour lui et sa descendance. Et on en arrive au point crucial, c'est qu'aujourd'hui, pour certains d'entre nous, nous avons déjà des enfants, nous avons déjà une famille, pour d'autres, nous n'en avons pas, et pour d'autres, cela n'est pas possible d'envisager d'en avoir dans une société telle qu'elle est aujourd'hui. Chacun ses choix, ok ? Est-ce que, et soyez honnête avec moi si vous avez envie de répondre, en tant que parent, si vous l'êtes, vous vous sentez complètement safe, sécurisé par rapport au futur que vont vivre vos enfants dans la société telle qu'elle est formée et formatée et dessinée aujourd'hui ? Je vous dis honnêtement, la plupart des personnes avec qui j'échange depuis, allez, on va dire, ça fait maintenant depuis 2007 que je fais ce métier, et en tant qu'architecte, en tant que designer, en tant qu'artiste peintre, c'est dans le domaine de l'art que j'ai trouvé le plus de pessimisme quant à la planète.
les artistes plongent dans le rythme alpha de leur système nerveux pour oublier, pour échapper, pour éviter, et certains pour exprimer, manifester. C'est ni bien ni mal, c'est juste que il y a dans les autres personnes, dans les autres typologies d'activité, énormément de difficultés à admettre qu'à un moment donné, ils vont devoir laisser leurs enfants prendre cela sur les épaules. Et finalement, pourquoi je vous dis tout ça? On ne peut rien y faire. Aujourd'hui, on est dans un point T, venant d'un passé donné auquel nous avons participé avec des moments présents, des moments présents, des moments présents, où à chaque fois nous avons pris nos responsabilités par rapport à ce que nous pensions pouvoir faire, dire oui ou non, et en ayant pour focus quelque chose qui nous a obligés ou pas, selon notre perception, à ne pas poser notre attention sur ce qui était source de préoccupation ou source d'impuissance, en nous disant comment je vais faire moi pour amener un changement là-dedans, je suis tout seul, il y a la planète entière, on verra bien plus tard. Ok, se désister d'une problématique, on le fait tous. Je peux ouvrir ma bouche, je fais pareil dans tellement de domaines. Alors j'ai commencé par prendre un petit bout du fil et de me dire ok, qu'est-ce que je peux faire. Et il vaut mieux commencer par quelque chose que de ne rien faire et de finalement engrammer au bout d'un moment de la culpabilité. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis sur la route et que je croise un camion et qu'il y a des cochons dedans, et ça je l'ai déjà communiqué dans une de mes conférences, et que je croise le regard d'un de ces animaux, je me sens vraiment mal. Et ça me met dans un état de tristesse et de larmoiement qui fait que pendant 10 km, je suis pas capable de conduire correctement. Donc, il y a un problème pour moi vis-à-vis de ça. Et je me dis une chose, c'est que si on arrive à un moment donné où on est obligé de limiter nos mouvements, à un point où toute la planète est alignée sur cette décision, est-ce que vous avez conscience que cela veut dire que quelque chose a changé? Déjà, l'alignement des décisions est lié entièrement à la profusion des communications et la facilité de la communication. Ce phénomène-là n'aurait pas pu exister il y a quelque temps. Alors, merci pour cette réponse. Quelqu'un me dit à propos des enfants, non. Ils devront être encore plus vigilants que nous. Oui, ils devront être beaucoup plus responsables que nous. Et on a là, à ce niveau-là, une certaine responsabilité, c'est de leur donner le courage, les bonnes raisons de se sentir légitimes et de s'estimer suffisamment importants pour eux-mêmes et pour leur communauté pour pouvoir aller interagir et intercepter les décideurs pour pouvoir impacter sur leurs décisions et finalement entrer en dialogue, en co-création. C'est, je pense, une des évolutions les plus importantes de notre société en l'état. Le mode de gouvernance actuel, la démocratie étant une utopie et elle est devenue une autorité et très autoritaire au lieu d'être source de liberté, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans les résultats de l'un des fantasmes de notre création commune, parce que c'était un rêve, bon, on va dire que la France a joué un grand rôle, mais c'est un rêve occidental qui est devenu une croyance que c'était le meilleur fonctionnement pour être juste. On voit là toutes les limites de l'intelligence et on voit là toutes les dangerosités, la toxicité de l'absence d'inspiration à aspirer à rester authentique, c'est-à-dire à considérer les cas uniques que nous sommes tous. Ça veut dire que chaque pays est différent. Je n'ai pas les compétences pour parler de ça. C'est juste un ressenti. Mais c'est vrai que nos enfants vont devoir aller beaucoup plus loin que nous. Et si l'Hexagone, par exemple, a connu des étapes importantes au niveau
du changement à ce niveau-là. Je pense que dans la négociation et la créativité, il va falloir que nos enfants aillent beaucoup plus loin et beaucoup plus intelligemment, émotionnellement. Alors, il y a quelqu'un qui... Oups, je vais refermer un petit... Voilà. J'ai une autre remarque qui est faite. Il y a le coronavirus qui empêche les gens de respirer, mais depuis un mois, la Terre respire, ce qui ne lui est plus arrivé depuis longtemps. Oui, merci de dire cela, parce que effectivement, l'air n'a pas la même odeur. On entend les chants des oiseaux. On entend la ville respirer, c'est-à-dire que on sent les embruns, on entend des mouettes venir. Je vous parle de moi qui est à Barcelone et je sens le rythme de la ville complètement éteinte et laisser apparaître des choses que l'on ne perçoit plus, qui sont les respirations naturelles de cette planète, de cette Terre. Et c'est très émouvant. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cet univers qui nous donne quelque chose d'abrupt à vivre et qui aurait pu être beaucoup plus grave, qui est un premier avertissement et que je trouve plein d'autorité. C'est un virus, c'est une maladie, ça touche à notre intégrité vitale et plein d'amour en nous disant, voilà, on en est là. Comment répondez-vous à cela ? C'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. J'ai beaucoup de gratitude pour cette période de repli parce que je pense que ça va permettre aux gens de se rendre compte à quel train de vie ils vivent, à quel niveau de stress et de pression ils sont, à quel niveau, même si certains vont le transposer dans leur maison parce qu'ils vont continuer à travailler avec les mêmes problématiques mais depuis chez eux. Mais ils vont se rendre compte que quelque chose est différent et cela va peut-être permettre à certaines personnes de se poser de bonnes questions par rapport à leur famille, leur couple ou leur vie extra-conjugale ou leur responsabilité physique. Moi, j'ai dû arrêter mes routines physiques. Je fais 2 à 3 heures tous les jours d'activité physique. Je ne peux plus aller marcher dans la forêt. Je le sens et je me rends compte de la valeur que ça a dans ma vie et donc de le protéger, de le préserver dans le sens de le garder, c'est important. J'ai quelqu'un qui me dit... C'est notre rôle de les conscientiser pour qu'ils se connectent plus à la nature et pour savoir faire des choix bien alignés. Oui, merci. Et la personne qui dit cela est nutritionniste et coach en nutrition. Et c'est quelqu'un qui sait ce que veut dire le respect de son interne et de ce que l'on consomme avec les conséquences que ça peut apporter par rapport à l'ensemble d'une population. Et oui, nos enfants devraient apprendre à respecter une fourmi, à respecter un oiseau, à respecter les forêts et quand on va en pique-nique, apprendre à ramasser les choses, à prendre les signes aussi de la nature, à connaître des champignons, à les reconnaître, à prendre plaisir à pouvoir apprécier d'aller cueillir des pissenlits ou des choses comme ça. C'est le truc mais martien, si vous vous dites ça, un citadin aujourd'hui, vous demandez d'où elle sort celle-ci, elle a vécu où, d'où elle vient. J'ai des souvenirs d'enfance où j'allais dans le Moyen Atlas et on ramenait des pissenlits. Au pied des cèdres, il y avait des lits entiers de pissenlits, mais c'était divin de manger ces salades. On ramenait des asperges sauvages, etc. Aujourd'hui, un enfant, pour lui, une asperge, c'est dans une bouteille, hein, dans un bocal. Il ne sait même pas comment ça pousse. Il ne sait pas si ça pend, si c'est bout de boue, si ça vient d'un mur de végétation. Et c'est très important tout cela parce que finalement, notre évolution, notre équilibre, c'est intéressant parce que quand vous lisez certains historiens, ils vous parlent de la disparition des genres. La disparition de masculin-féminin, de ce gommage qui est en train de se faire, de ce floutage, de la nuance entre les deux rythmes. Ces deux rythmes, c'est l'accélération et le frein.
Et je pense que l'un des grands défis que nous avons, c'est de savoir freiner, de savoir gérer. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui ne veut que fournir et qui oublie de se poser les bonnes questions, les remises en question, de savoir ce qu'il y a à abandonner du passé, laisser derrière soi et prendre à bras le corps pour le détruire et le transformer. Ça veut dire défaire. C'est très complexe de défaire des choses. C'est très complexe de détruire, de débâtir. En tant qu'architecte, il est bien plus compliqué de défaire pour refaire que de créer du neuf. L'humain est pareil. C'est très compliqué pour nous de défaire nos habitudes et de changer notre abord d'un changement de vie. Tout le monde est en mode compulsif. Tout le monde, quand je dis tout le monde, je n'ai pas le droit de dire ça parce que c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui font preuve de calme et d'intelligence émotionnelle et d'organisation exceptionnelle autour de ce projet commun de mener cette guerre au virus. En réalité, moi, j'ai envie de dire de foutre la paix, de laisser vivre sa vie en essayant de faire en sorte qu'il abîme le moins de personnes et qu'il tue un minimum de gens. Voilà, en fait, et de défocaliser. Une chose aussi qui est importante à voir, c'est que quand on se branche sur les réseaux sociaux et sur les télévisions et les médias, on a une focalisation sur tant de morts, tant de machins. Oui, c'est pas si grave que ça. Il y a beaucoup de gens guéris. Mais voilà, il nous faut ça, il nous manque ça. Personne ne donne un espace-temps, même un dixième de l'écoute, hein, aux heures d'écoute importantes, sur « Ok, que devons-nous changer ?» Personne ne prépare les gens au changement. On leur dit « Vous allez changer pendant un mois, après on vous libère. » Et quand vous écoutez les discours, on vous dit « On pourra revenir à notre croissance. » Mais on veut sauver la croissance, on veut sauver l'économie, mais c'est peut-être justement ce qu'il faut remettre en question sous la forme actuelle et l'organiser de façon digeste pour qu'il n'y ait pas de chaos au-delà de ce qu'on a déjà. Mais il faut le programmer, il faut le mettre en place, il faut l'envisager et il faut avoir le courage de le dire pour que ça puisse devenir possible. Parce que les gens se modulent au rythme et au format de ce qui est proposé. Et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est peur, protection, défense, restriction, pour ensuite revenir exactement comme avant. Ben non. On est en train de mentir aux gens. Ce ne sera plus jamais comme avant. Parce que de toute façon, les réponses vont être de plus en plus rapides et plus violentes. Ce que nous vivons aujourd'hui est un avertissement. Aujourd'hui, nous devons absolument décider de prendre d'une certaine façon la parole pour dire aux gens concernés et pouvant agir, écoutez, on est prêt à changer notre façon de vie, on est prêt à lâcher les voitures qui sont plus adaptées, on est prêt à lâcher les nourritures qui ne sont plus humaines, on est prêt à lâcher le quantitatif pour opter pour du qualitatif, on est OK pour plein de choses. Et je pense que notre responsabilité à court terme va être celle de l'expression. Et elle va être celle du manifeste, et je parle de calme, hein, de sérénité et d'intelligence émotionnelle en allant dire « Voilà, il semble que nous ayons plus envie de prendre de risques et nous avons beaucoup d'excitation à l'idée de reconstruire une planète bienveillante, aimée. Et nous sommes dans cet espace-là. Et là, il va y avoir un problème. » D'après vous, quel problème il va y avoir? Intéressant de savoir qu'à un moment donné où on va exprimer, parce que si on exprime, bien entendu, on va susciter des réponses ou des contradictions, mais il y aura un certain nombre de réponses. Et à ce moment-là, il va falloir répondre à ça
par de la persévérance et de la détermination et tenir à nos engagements par rapport à nos valeurs. Parce que si vous n'en avez rien à faire de votre corps, par exemple, vous allez en avoir rien à faire de ce que vous mangez. Et si votre priorité, ce sont vos ennuis, qui sont des ennuis de type divers, mais pas ceux-là, vous êtes bien d'accord que vous allez devoir focaliser sur autre chose que ce sur quoi vous avez l'habitude de focaliser. Ça veut dire qu'il va falloir que vous changiez votre façon de percevoir vos priorités. Vous allez devoir vous mettre en covalence avec l'ensemble de la planète. C'est quelque chose auquel on n'est plus habitué, mes chers amis. On a oublié ça. Alors, je sais parmi nous qu'il y en a qui le font, mais on ne sait plus faire ça. On nous a toujours dit, va plus fort, plus loin, plus haut, plus pour toi, et si tu peux servir les autres, c'est bien. Mais on n'a jamais dit, avance en considérant les autres, et pour l'intérêt général, parce qu'on n'a plus le choix. C'est-à-dire, là, je vous parle comme ça, parce qu'on est dans une période de notre vie et sur notre planète, où on ne fait pas le poids si on dit bah non, moi je ne veux pas. Non, on ne fait pas le poids par rapport à la planète. On ne fait pas le poids par rapport aux paramètres de réponse, aux éléments qui peuvent nous répondre. Et je pense que ce qu'il faut arriver à accepter, c'est que nous avons aujourd'hui une opportunité avec des prétextes qui sont très clairs, c'est que nous ne désirons pas en tant que citoyens vivre cela à des niveaux et des échelles surévaluées et que nous demandons un droit d'expression et qui nous permette d'agir à titre personnel et individuel, ça c'est de notre responsabilité personnelle, mais aussi individuel, mais aussi de répondre à un niveau plus élevé en allant co-créer de l'expression pour pouvoir pousser à des changements. Et un des moyens, c'est d'être créatif. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous proposer cette conférence ce soir. Je vais finir sur ce point. Au revoir et merci. Merci Edwige de ta présence. Et je sais que tu as eu une longue journée, donc gratitude pour ta présence ce soir. Mais voilà, je pense que commencez dès aujourd'hui à noter tout ce qui vous semble absolument aberrant, mais qui pourrait être une solution. Parce qu'à ce moment-là, cela veut dire que finalement, vous allez vous retrouver à créer une intention et envoyer un message très clair dans le champ des probabilités. C'est de créer une trame autour de cette planète de plein d'intentions et d'idées absolument géniales. Et de vous écrire votre petit livre. Alors moi, j'ai un petit cahier sur lequel je vais commencer à noter des choses que je pourrais partager et d'autres que je garderai pour moi parce que pas assez efficientes. Mais voilà ce que je voulais absolument, absolument partager avec vous ce soir dans cet espace-temps qui est un espace-temps assez délicat où nous avons tous des challenges à surmonter. Je vais reprendre cette année mes conférences en live et elles seront de nature différente. Elles seront autour de la convivialité, d'un apéritif, une à deux fois par mois. Mes conférences en ligne continueront. Elles vivront des changements également pour des raisons logistiques, des raisons différentes et professionnelles. Mais vous aurez la capacité de venir vous créer du lien avec des gens. Les discours, c'est bien, mais créer du lien, connecter, être créatif, lancer des idées pour lancer la communication et l'expression et s'autoriser la prise de parole. Parce que je pense que le temps sera court, mais nécessaire et l'action majeure sera l'expression d'idées pour qu'elles puissent finalement lancer une faisabilité en venant taper sur des mentales qui seront prêts à engager sur du faire. Il y a les créatifs, il y a les créations. Entre les deux, il y a des faiseurs. Et ces faiseurs-là sont des gens qui ont des moyens de faire à des niveaux différents, à des quantités différentes et qui peuvent avoir des impacts différents. En tant qu'artiste,
J'ai été créative. En tant qu'architecte, j'étais créative et j'ai eu affaire à des faiseurs. Et en tant que coach, je suis là pour accompagner les gens qui font, les gens qui créent, les gens qui pensent et les gens qui souffrent et de ne pas pouvoir le faire. Je reste à votre entière disposition. N'hésitez pas à m'appeler. Soyez complètement libre de poser des questions. Alors là, on est en mode un peu officiel. C'est vrai que je suis en mode monologue presque. Mais si vous m'appelez, je serai ravie de vous répondre du mieux que je peux en rentrant beaucoup plus dans les détails qui vous incombent. Je vous remercie. N'oubliez pas votre première œuvre. Bien entendu que c'est vous. Et aujourd'hui, en étant votre propre œuvre, vous pouvez œuvrer pour la planète. Je vous en remercie. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas toutes les précautions d'usage pour pouvoir être dans le respect de l'autre et de vous-même. Merci. Bonne soirée à vous.